Et merci d'être là toujours de plus en plus nombreux, d'être aussi fidèles. C'est vraiment super apprécié. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant Freedom News Network. C'est qu'on se retrouve sur YouTube. Si on veut se renseigner vraiment sur ce qui se passe avec les changements climatiques, le grand minimum solaire est plus encore. On est le 9 et eh oui, 9 novembre 2018, 8h38, heure du Québec. Journée! Vraiment historique. Pourquoi Parce que c'est le seul 9 novembre 2018 de toute l'histoire d'humanité. Imaginez, c'est extraordinaire. Et vous et moi, on est là pour mettre notre grain de sel dans cette journée historique qui reviendra pas, qu'on verra jamais plus. C'est le seul et unique. Et vous êtes seul et unique aussi, directement descendu du plan divin. Tout le monde est formidablement immense et grand et important. C'est ça la réalité de la vie que nos élites. Surtout les élites de la gauche essayent de nous enlever, c'est notre grandeur, notre divinité, pour nous réduire à la robotisation intellectuelle et idéologique, pour nous amener directement dans 1984, George Orwell, des êtres complètement soumis. La go gauche veut qu'on pense tous pareil, qu'on s'habille tous pareil, qu'on mange tous la même chose. Et ils vont nous dire quoi manger et quoi boire, qu'est-ce qui est bon pour nous. Eux, ils vont nous le dire. Vous avez une seule vie à vivre Non, vous en avez des milliers à vivre. Chaque jour est une nouvelle vie. Vous vous êtes réveillé ce matin, vous êtes sorti de la mort parce que le sommeil c'est la mort. Vous êtes revenu et vous avez encore une autre journée, une autre vie devant vous. C'est ça la beauté. Et ces gens-là veulent vous enlever ça en vous dominant, en vous manipulant et la gauche go en plus censure. Si vous pensez pas comme elle, gare à vous, on va vous traiter de tous les noms. De sexiste à raciste à homophobe et après ça peut-être qu'on vous emprisonnera si c'est pas suffisant les étiquettes qu'on vous met si ça ne vous fait pas fermer la gueule ils ont d'autres moyens la gauche est toujours accompagnée de totalitarisme oubliez jamais ça maintenant ceci étant dit ça nous vient de Norvège cette nouvelle là de Dag Bladet euh, qui est un euh, Quotidien norvégien, magazine, qui nous dit qu'on vient de faire une découverte troublante de gaz dans notre fameuse crise climatique qu'on essaye de nous vendre. Les changements climatiques sont cycliques. Le CO2 existe depuis toujours en quantité vraiment supérieure à ce qui est euh, établi en ce moment, déjà existé en quantité vraiment supérieure. Il y a 10 000 ans, il a fait 10, 10 degrés de plus sur la Terre. Les glaces ont fondu, le détroit de Bering s'est libéré, les populations ont suivi le bétail, ils sont venus s'installer ici. On s'est retrouvé avec des Inuits. La glace est revenue, une minière de glace est arrivée, les ours polaires ont survécu, ils sont en train de prospérer. Tout est cyclique. Mais ces gens-là qui nous gouvernent sont tous des, naturellement, des arnaqueurs. Un politicien est un arnaqueur, est un vendeur. On vit, oubliez jamais ça. Un politicien n'est pas là pour votre bien-être. Un politicien est là pour vous attraper dans un piège, comme n'importe quel vendeur. Vous le savez, vous connaissez des vendeurs, vous avez eu affaire à des vendeurs dans votre vie. C'est tous des crosseurs. Je ne vais pas dire qu'ils sont méchants pour autant, tous. Mais ils veulent tous vous vendre quelque chose qui ne marche pas, dont vous n'avez pas besoin. Puis ils veulent vous convaincre que vous en avez besoin. Parce que les autres, ils ont besoin de leur commission pour vivre. Et ça, ça attire une certaine une certaine classe d'être humain. c'est pas tout le monde qui peut être vendeur. Moi, j'ai une grande gueule. Souvent, on m'a proposé des emplois de vente. Je ne suis pas capable de vendre parce que je ne suis pas capable de crosser. Je ne suis pas capable de vendre quelque chose dont personne n'a besoin puis de les convaincre qu'ils en ont besoin. Donc, ce n'est pas parce que j'ai une grande gueule que je deviens un vendeur pour autant. Comprenez-vous la nuance? Mais le vendeur, c'est inné en lui. L'envie de crosser, l'envie de convaincre quelqu'un. Il a besoin de quelque chose quand il n'en a pas besoin. Et c'est ce que les politiciens font. Encore là, pourquoi la politique et les politiciens, et les dirigeants et les rois qui se sont succédés et les pharaons ont toujours agi de la même façon jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que ça attire une seule, un seul type d'être humain. Celui qui veut dominer, qui veut contrôler et qui est même prêt à tuer pour ça. Donc, ça prend des êtres humains spéciaux, mes amis. Et c'est pour ça que, comme c'est toujours la même catégorie de gens, dans l'humanité qui sont comme ça, c'est toujours ceux-là qui s'en vont vers les postes de gouvernance. Donc, tu as toujours la même forme de gouvernance, dominé, dominant, torturé, bourreau, et ainsi de suite. Comprenez-vous? C'est pour ça que ça ne change pas. Parce que ce type d'emploi-là, de, si vous voulez, attire toujours le même type de personnes. Vous, vous n'êtes pas affamé de pouvoir, vous n'êtes pas affamé de dominer quelqu'un. Puis vous n'êtes pas prêt à tuer pour dominer. Donc, ça ne vous intéresse pas, vous irez jamais là. Même si vous avez le plus grand cœur, puis vous, êtes, vous seriez la, la personne la plus qualifiée pour administrer un pays dans l'amour, dans la paix, dans l'union. Voyez-vous pourquoi ça ne marche pas, puis ça ne marchera jamais, puis on ne s'en sortira jamais? Parce que ce type d'emploi, comme il est présenté, comme il est organisé, attire toujours la même, la même qualité d'individu. Ça ne change pas parce que c'est comme ça. Donc, ces gens-là sont des fraudeurs, des arnaqueurs et des meurtriers de masse. Les politiciens peuvent tuer des centaines, des milliers d'individus sous l'impulsion d'un ordre de loi. Et on va appeler ça du patriotisme. Vous, vous allez aller commettre un meurtre et vous allez finir votre vie en prison pour un meurtre. Comprenez-vous c'est vraiment spécial. Donc, découverte troublante de gaz. Une puissance potentiellement mille fois supérieure à celle du CO2. Bon, on va aller lire ça. Cinq nouveaux gaz probablement extrêmement sévères ont été détectés à Svladbar. À la station Seppel de Svladbar, l'institut norvégien de recherche en aéronautique a fait une nouvelle découverte qui est décrite comme préoccupante. Cinq nouveaux gaz ont été détectés dans des échantillons d'air prélevés dans le cadre du programme de dépistage des nouveaux polluants de la direction de l'environnement. Cela est évident dans un nouveau rapport auquel Dagbladet a eu accès. Ces nouveaux gaz sont fluorés et seraient de nouveaux gaz à effet de serre, c'est-à-dire des gaz qui contribuent au réchauffement du climat. <laughs> C'est du n'importe quoi encore déjà. Le climat est. Le climat est géré par le Soleil. Ces gens-là ne s'intéressent pas vraiment à l'activité solaire, au grand minimum solaire, au cycle solaire. On essaie juste de... Encore là, ce qu'on veut, c'est vous convaincre que vous êtes responsable et qu'il faut vous réglementer, vous régimenter, vous taxer. Et vous embarquer dans une, une croyance qu'on essaie de développer en religion. Et on veut que vous deveniez... Des adeptes, des fidèles de cette croyance, de cette religion, qui est que l'industrialisation est à la base du réchauffement climatique, qui n'est même pas là. Depuis 20 ans, la température a augmenté d'un dixième de degré. Mais on veut vous embarquer là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on veut vous contrôler. On veut vous mettre dans une boîte. Et surtout, on veut vous taxer. On ne veut pas vous arrêter de consommer. On dépense des trilliards de dollars en publicité pour que vous consommiez. Vos gouvernements vivent et survivent avec la taxation qu'on va chercher sur votre consommation. Donc ces gens-là ne veulent pas que vous arrêtiez de consommer. On veut juste vous convaincre qu'on a besoin de vous taxer si on veut sauver la planète. On ne veut pas sauver les humains. On veut sauver la planète, comme si la planète avait besoin d'être sauvée. La planète est immense dans une immensité cosmique qui est là depuis des milliards d'années. Ce n'est pas la planète qui a besoin d'être sauvée, c'est l'humain qui a besoin d'être sauvé. Si tous les efforts qu'on met dans l'action d'essayer de nous convaincre de notre culpabilité face à quoi que ce soit, si on mettait un dixième de ces efforts-là pour éliminer la misère sur Terre. Je peux vous dire une chose, ça fait longtemps que la misère serait éliminée. Mais ce n'est pas ça le but. On ne veut pas sauver l'humain. Là, on veut sauver la planète. Comme si la planète avait besoin de nous autres pour être sauvés. Voyez-vous la démagogie de ces gens-là? C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. On n'est pas les changements climatiques. Les changements climatiques sont là et ravagent la vie de tout le monde tous les jours. En ce moment, parce que c'est des changements climatiques qui sont d'une intensité incroyable. Et qui s'intensifient et qui rendent le climat et l'environnement vraiment inhospitaliers. On ne peut pas nier ça, il faudrait vraiment être idiot. Mais d'essayer de relier ça à l'industrialisation et à la culpabilisation de l'individu qui n'a aucun pouvoir, qui est chez lui dans sa petite misère, c'est démentiel. Honnêtement, c'est démentiel. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Et la pollution, on ne s'en occupe pas. On ne va pas après les grands industriels, les grandes entreprises qui utilisent nos mers comme poubelles, nos océans comme poubelles, nos lacs comme poubelles, les terres, les montagnes comme poubelles et l'atmosphère comme poubelle. On vient encore vous criminaliser. Donc, l'élite, nos gouvernements, qui commettent les plus grands crimes de l'humanité depuis toujours, Maintenant, on l'industrialisation aussi. À leur tableau de bord, c'est eux autres qui ont démoli l'environnement. C'est eux autres qui ont pollué tout. Nous autres, on répond. Nous autres, on est leur, leur esclaves. Nous autres, on, on fait que répondre à ce qu'on nous demande. On nous a poussés à consommer. Si on avait vraiment l'environnement à cœur, on aurait arrêté la consommation. Mais nos gouvernements existent. Grâce à la taxation sur la consommation. Donc, c'est une hypocrisie extraordinairement gigantesque. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Tout simplement, rien d'autre. Ces gens-là dépensent des trillions pour nous forcer à consommer. Les acteurs, les actrices que vous vénérez, qui vous disent c'est dégueulasse, les réchauffements climatiques, sauvons la planète, c'est les mêmes qui font de la publicité. Pour les grands industriels, pour vous inciter à consommer. Donc, on va chercher vos idoles que vous aimez tant pour venir faire de la publicité à vous inciter à consommer. Ils sont les porte-parole de tous ces industriels-là. Regardez-les à la télé. Parce qu'on le sait qu'en utilisant vos idoles, on va vous inciter à consommer. Donc, si on voulait vraiment régler ça, on arrêterait la consommation, mais on ne veut pas. On veut continuer à ce que vous consommiez parce qu'on sait qu'il n'y a aucune conséquence. Puis c'est pas ça qui est à la source des réchauffements climatiques, qui ne sont pas là ou des changements climatiques. Tout est cyclique. Par contre, la pollution, elle est bien là, créée, réelle. Mais encore là, on ne fait rien. On ne fait absolument rien parce que c'est ces mêmes dirigeants industriels qui commettent ces crimes-là. Comprenez-vous? C'est tellement facile à comprendre, mais pour ça il faut sortir de l'endoctrinement parce que c'est une religion maintenant puis je peux vous dire une chose regardez les religions pourquoi on l'a développé en religion cette question là de réchauffement climatique puis on en a fait une religion puis on vous a converti en adepte parce que ça devient un adepte religieux devient un fanatique puis c'est plus facile après ça c'est impossible même de lui enlever sa conviction et de le convaincre que sa foi en cette histoire-là est complètement fausse. C'est pour ça qu'on l'a développé depuis des années, puis qu'on l'a monté en religion. Regardez ce que les, religi les religions font de leurs adeptes des fanatiques prêts à tout. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, mes amis. Ces nouveaux gaz, donc, euh, selon cette organi cet organisme, la concentration de gaz nouvellement découvert pourrait même être plus élevée que ne le montrent les résultats de mesure. Ces gaz peuvent avoir un, un effet potentiel de réchauffement planétaire plusieurs fois supérieur à celui du CO2. Pourtant, depuis 20 ans, la température a augmenté, et c'est la NASA et la NOAA qui nous disent ça, de un dixième de degré. Il est très grave que nous ayons mesuré tant de quantités de gaz que nous ne pensions pas trouver dans l'environnement. Cela indique que les émissions doivent être importantes à déclarer, Hélène Embro, directrice de la direction de l'environnement. Les gaz représentent à Vladbar représentent pardon à Vladbar sont très persistants, c'est-à-dire qu'ils se décomposent très lentement dans la nature. Écoutez, retenez cette phrase-là parce que je vais y revenir. De plus, ils ont des propriétés qui indiquent qu'ils restent longtemps dans l'atmosphère. Ça aussi re retenez ce paragraphe-là. Et sont transportés sur de longues distances. Il est évident que nous avons besoin de plus de connaissances sur ces gaz, sur leur utilisation, sur la quantité utilisée et les sources des émissions. À l'heure actuelle, les chercheurs ne connaissent pas suffisamment l'utilisation et les rejets de substances, des substances pour expliquer les résultats. Les scientifiques sont-ils ce que les scientifiques pensent qu'ils pourront contribuer au réchauffement de la planète le programme de filtrage signifie que la direction de l'environnement établit chaque année une liste de substances qu'elle verra si elles sont présentes dans la nature, en se concentrant généralement sur les questions environnementales. Ensuite, nous faisons une sorte d'instantanéité instantané à un endroit et cette année, nous l'avons fait à la station Zeppel à Svladbar. Ensuite, le NILU prélève de nombreux échantillons et cherche s'il trouve ces traces-là ou ces... Euh, Médicaments. Ce sont des échantillons aléatoires qui donnent une instantanéité, explique Alice Gostad, ingénieure en chef à la direction de l'environnement à Dac-de-la-Dette. Le programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique est un groupe de travail du Conseil de l'Arctique auquel la Norvège participe activement et ont répertorié plusieurs substances soupçonnées d'être nocives pour l'environnement arctique. Fondées par les nouveaux gaz potentiellement à effet de serre, étonnamment, Venus aux chercheurs, ils ne s'attendaient pas à les trouver. Euh, la trait du coin n'est pas vraiment forte. C'est une trouvaille rare, nous ne nous, 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 nous attendions pas à trouver ces gaz. Alors, ce, là, on nous dit que cela n'a pas été réveillé, mais les gaz sont actuellement liés à l'utilisation de réfrigérants et de produits de nettoyage dans l'industrie électronique et en tant que solvant dans l'industrie chimique. Il existe peut-être d'autres sources également mais la direction norvégienne de l'environnement n'est plus au courant n'est pas vra... n'est pas au courant ou n'a pas découvert encore les autres sources La raison pour laquelle ces types de gaz nous préoccupent est leur composition et leur structure. Ils semblent être des gaz à effet de serre. Ils semblent cela doit être vérifié mais ils ressemblent à la composition d'autres gaz à effet de serre créés par l'homme. Des enquêtes de dépistage sont encore pour mieux connaître la présence de substances peu cartographiées et nouvelles pour l'environnement dans l'environnement norvégien. Une fois que ces substances sont trouvées dans l'environnement, elles peuvent être incluses dans des programmes de surveillance. À propos des gaz, les cinq gaz détectés à, à, à Bar ne sont pas présents naturellement dans l'environnement. La plus grande utilisation est probablement dans l'industrie comme les fluides de réfrigération, de rinçage de l'industrie électronique et comme solvant spécial dans l'industrie chimique ce n'est que l'une des substances répertoriées par l'agence européenne des produits chimiques pour autant que l'industrie se soit conformée à l'obligation bla 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 bon les nouvelles découvertes et l'arrivée de nouvelles substances fluorescentes dans l'arctique sont inquiétantes du moins dans une perspective climatique cela montre que les gaz peuvent être transportés sur de longues distances et qu'ils ont une certaine vie dans l'atmosphère, explique Tare Fourvik, euh, directeur du Centre de recherche climatologique à Dagbladet. Il, ex il explique qu'il existe principalement quatre types de gaz à effet de serre, les dioxydes de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux et divers types de composés du fluor. Ce sont des gaz à effet de serre très puissants, mais malheureusement, ils sont présents dans l'atmosphère. Il y a dans l'atmosphère un million de fois plus de dioxyde de carbone que de gaz fluoré, a déclaré Fourvik. Mais malgré cela, ces gaz à effet de serre représentent 3% de l'effet de serre total. Cela montre à quel point ils sont puissants. Donc, on essaye de nous donner ça comme un autre aspect de notre pseudo-réchauffement climatique. Mais là, j'essaie de vous trouver. Comme Gustave souligne également l'importance de la surveillance des gaz dans l'atmosphère Il déclare, déclare qu'en qu utilisant des mesures non, à, à, à de nombreux endroits sur le globe et de modèles météorologiques, il est possible de calculer dans le temps et de calculer la provenance des gaz. La particularité des mesures norvégiennes est qu'elles sont réalisées dans un environnement arctique, c'est-à-dire à, euh, à Svalbard. Devraient ils sont capables de voyager très loin. Donc ce qui est inquiétant c'est qu'on nous dit que c'est nouveau. C'est ça qui est on va revenir à notre fameux paragraphe, OK Que je vous avais dit de garder en mémoire. Je vais essayer de vous le retrouver, est un petit peu plus haut, je pense hein? Bon. Les gaz à Svlaban, à c'est ça que je vous avais dit de garder en mémoire. Les gaz présents à Svlaban sont très persistants. Ça veut dire qu'ils restent. C'est-à-dire qu'ils se décomposent très lentement. S'ils se décomposent très lentement, comment se fait qu'ils viennent de découvrir ça? C'est là la contradiction, toujours avec eux. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas découvert ça si ils nous disent, ils sont capables de nous dire qu'ils se décomposent lentement? Et de plus, ils ont des propriétés qui indiquent qu'ils restent longtemps dans l'atmosphère et sont transportés sur de longues distances. Ben, qu'ils vient de découvrir ça, si ça fait longtemps qu'ils restent dans l'atmosphère. C'est pour ça que ces gens-là sont difficilement crédibles. Très difficilement crédibles. Puis on ne veut jamais, jamais revenir à l'essentiel, c'est-à-dire, comme je vous le dis toujours, les cycles solaires, le grand minimum solaire, l'influence du Soleil. C'est lui qui gère tout. Le cycle du soleil, son, 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 son pouvoir sur notre, notre planète et le reste pour influencer le climat avec plus ou moins d'activité. Puis là, on est dans un grand minimum solaire. Je ne comprends pas que ces gens-là ne s'intéressent pas à ça. Ils se disent scientifiques. Coudons. C'est une autre les scientifiques, c'est aux autres. Donc, n'oubliez pas, c'est ça qui est important de retenir. On nous dit découverte troublante. Mais comment se fait qu'on fait une découverte troublante quand on nous dit que ces gaz-là sont persistants, c'est-à-dire qu'ils se décomposent très lentement dans la nature. De plus, ils ont des propriétés qui indiquent qu'ils restent longtemps dans l'atmosphère et sont transportés sur de longues distances. Donc, ils sont capables de faire leur job, eux autres. Je vous reviens. Voyez-vous pourquoi ça arrive des fois qu'on... La pression monte, qu'on se fâche un peu. Quand tu vois des trucs comme ça.